un seul enfant, l'homme t'a courbé, et pour mes bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement salué. Monsieur le secrétaire général à la Santé, Son Excellence Madame la ministre des Genre et Familles, distingués invités à vos titres et qualités. C'est un grand plaisir en ce jour pour la société de la pratique sage-femme de vous avoir dans cette salle pour communiquer quelque chose de très capital. Pour vous communiquer ce qui reste sa douleur de jour et nuit. La Société contre de la pratique sage-femme honore et remercie sérieusement et sincèrement votre présence. Cela montre l'intérêt que vous portez à la santé de la femme, car défendre les droits de la femme, améliorer la santé de la femme passe par une ressource humaine de première ligne qui est la sage-femme. Donc, l'appui que vous apportez à la SCOSAF, c'est l'appui, c'est votre soutien à l'amélioration des conditions de la santé sexuelle et reproductive de la femme. La SCOSAF se sent honorée par le fait que dans cette salle, nous avons les législateurs. Nous avons le ministère des tutelles avec toutes les directions. Nous avons le partenaire. Nous avons la société civile. Alors, la SCOSAF pense avoir réuni toutes les catégories, mais en s'appuyant sur la catégorie des législateurs pour laquelle elle tient à partager un message afin de pouvoir réglementer cette profession qui est resté longtemps aux oubliettes, mais la profession noble, salutaire, si nous tenons à améliorer la santé de la femme et du nouveau-né dans ce pays. La sage-femme travaille dans une équipe multidisciplinaire, certes, mais elle a un champ de pratique circonscrit et précis. Toute sa formation est centrée sur la santé sexuelle, génétique et reproductive de la femme, du nouveau-né et de l'adolescent. Ainsi, nous saluons votre présence et la SCOSAF ne peut que vous dire merci. Nous vous souhaitons bienvenue et surtout, nous sollicitons déjà auprès de vous une adhésion massive à cette proposition et surtout en train de recevoir en même temps de vous toutes les informations possibles pour que ce processus puisse aboutir. Soyez les bienvenus, j'ai dit et je vous remercie. Le représentant du ministre du Genre, Monsieur le Président de la Société congolaise de la pratique de la sage-femme, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais, au nom de Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, d'abord vous saluer et surtout remercier les honorables députés parce que ils se sont soustraits d'autres activités. Aujourd'hui, c'est un week-end, le samedi. Mais ils se sont réalisés, ou ils ont réalisé l'importance de cette activité. Et voilà pourquoi ils ont pu faire ces déplacements jusqu'ici. Je voudrais de façon particulière remercier l'honorable député Eliezer Tamboué pour avoir accepté de porter ce projet. Le ministère de la Santé
a dernièrement élaboré son plan national de développement sanitaire qui constitue en fait la boussole pour les 5 années à venir dans les domaines de la santé. Et vous comprendrez mieux que la santé de la mère et de l'enfant constitue en fait la priorité numéro un vers la couverture santé universelle. Et lorsqu'on a fait l'analyse de la situation, au regard des indicateurs par rapport à la mortalité de la mère et de l'enfant, il y a un pilier important qui a été identifié, c'est le pilier en rapport avec les ressources humaines. Et donc, par rapport aux ressources humaines, on a compris tout de suite que si on connaît des situations telles que ça se présente aujourd'hui, c'est parce qu'entre autres, il y a une profession qui fait défaut. C'est la profession, la pratique des sages-femmes. Et voilà pourquoi nous avons pensé développer, solliciter votre accompagnement, parce que nous voulons que cette profession soit réglementée et il n'y a pas 4 chemins. Le seul chemin, c'est passer par vous, honorables députés. Et voilà pourquoi nous allons vraiment solliciter sincèrement votre accompagnement du début jusqu'à la fin de ce processus, parce que c'est vous qui êtes en fait les personnes attitrées pour nous octroyer ce dont on a besoin, donc la profession, la réglementation de la profession de la sage-femme. Et je voudrais vous rassurer aussi que le ministère de la Santé restera toujours à vos côtés pour essayer de clarifier éventuellement certains concepts ou la compréhension de certains éléments pour vous permettre d'être suffisamment outillé afin que ces projets puissent passer à votre niveau. Encore une fois, merci à tous, merci de vous être déplacés et je vous souhaite fructueux travaux. Voilà, merci. Qui ont quand même besoin de savoir qui est la sage-femme et c'est quoi la profession sage-femme. Je me sens déjà coincé avec les 10 minutes. Ok, on va faire l'essentiel, mais je demande déjà un peu votre clémence déjà au départ. Alors, nous commençons d'abord par démontrer que dans le domaine de la santé, il y a 3 classifications. Donc, il y a des professions médicales, il y a des professions de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ou les paramédicaux. Et quand nous allons dans la profession médicale, nous avons une classification en 3, dont nous avons le médecin, les chirurgiens dentistes ainsi que la sage-femme. C'est une classification sur le plan international. C'est quoi alors la profession sage-femme? Vous savez que toute profession doit remplir certains critères. Il faut qu'elle soit une science, un art, une pratique, une philosophie de pratique, un corpus de valeurs et une autonomie. Nous allons découvrir si la profession sage-femme remplit ces critères pour que nous puissions démontrer que c'est vraiment une profession à part entière. Comme science, cette profession englobe les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie, de la pédiatrie, mais dans leur dimension physiologique. Il faut souligner cela, ainsi que la santé génétique des femmes ou de la santé sexuelle. Pour cela, il doit faire appel à des connaissances et à des compétences spécifiques, ici des recherches sur des données probantes. Comme science, nous le prouvons ainsi. Comme art, la sage-femme va mettre en jeu des procédés, des connaissances, ainsi que des règles nécessaires pour accompagner l'exercice d'une activité ou d'une action naturelle, d'une action biologique, d'une action physiologique. La grossesse, l'accouchement, la suite de couches, ça fait partie de toutes ces actions naturelles, biologiques dont la sage-femme accompagne. Donc la profession est calquée sur son activité sur la nature de la santé sexuelle, la nature de la santé reproductive, en réveillant l'essence des aptitudes innées. Donc le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'est fait s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Voilà en quoi c'est un art, cette profession. Comme pratique, la sage-femme à une pratique qui est circonscrite. Je pense que le directeur de la direction de la famille et couple spécifique l'a relevé ici. Il a un champ de pratique bien défini,
bien circonscrit. Ce n'est pas quelqu'un qui a dans le domaine de profession médicale, il n'a pas les compétences élargies. Non, non. Il a des compétences circonscrites dans un domaine précis. Désolé que l'image n'est pas si claire, mais ça montre que c'est le champ de la pratique sage-femme. Donc, il a une pratique propre à elle. Il a une pratique qui n'est pas partagée tant que cela demeure dans la physiologie de la grossesse, dans la physiologie de l'accouchement, des suites de couches, ainsi de suite. Donc, c'est une pratique. La profession a une pratique propre dans un champ circonscrit. Comme philosophie, il faut noter que la pratique ou la profession sage-femme est basée sur le respect de la physiologie. Donc, la femme n'a pas besoin d'une surmédication pour mener à terme sa grossesse, n'a pas besoin d'une surmédication pour accoucher, mais c'est plutôt un phénomène totalement physiologique. Et la sage-femme tient à ce que tout se déroule d'une façon physiologique. C'est la bénéficiaire doit être oriente la pratique et non le contraire. Donc c'est la femme est au centre de la pratique sage-femme. C'est elle qui dicte le besoin et c'est elle qui dicte les soins qu'on lui administre. Elle est partenaire de la femme dans la philosophie. Elle n'est pas quelqu'un qui vient pour être délivré de sa douleur ou de son état, mais donc la sage-femme le prend comme partenaire. Ce sont les soins centrés sur la femme, nous l'avions dit. Et la sage-femme, dans la philosophie de sa pratique, c'est la démédicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Comment la femme peut arriver à passer toutes ces étapes physiologiques sans une surmédicalisation? Donc, elle est dans une approche moins interventionniste, la sage-femme. C'est l'accompagnement de la nature reproductive, c'est la physiologie. Et il conclut pour dire la sage-femme accompagne la femme à accoucher et non à faire accoucher la femme. C'est un sous-bassement de la philosophie de la pratique sage-femme. Donc accompagner la femme pour qu'elle accouche et non faire accoucher la femme. La même chose, laisser l'enfant naître et non le faire naître. C'est une profondeur de la philosophie de la pratique sage-femme. Comme corpus de valeurs, c'est une profession qui se pratique sur certaines valeurs. Entre autres, le respect de la confiance dans les processus physiologiques, entre autres, l'autonomie dans les compétences pour les soins adressés à la femme, la continuité des soins, relations personnelles et égalitaires, et tout cela pour, au niveau des compétences professionnelles, les valeurs y sont attachées, au niveau des bénéficiaires, il y a des valeurs qui sont attachées, au niveau des relations professionnelles entre pairs, alors le respect entre les sages-femmes, ainsi qu'au niveau de travail dans une équipe multidisciplinaire, il y a des valeurs qui sont inculquées à la sage-femme, comment elle doit travailler avec l'infirmier, comment elle doit travailler avec le médecin, ainsi de suite. Comme autonomie, dans l'exercice de sa profession, la sage-femme remplit son contrat avec la société en prodiguant les soins éthiques et d'excellente qualité, basés sur sa propre philosophie et la recherche scientifique. Elle a un agir professionnel, la sage-femme. Elle est responsable de ses actes. Quand on le pose dans son champ de pratique, elle est responsable de ses actes. Elle endosse toute la responsabilité dans son champ de pratique. La sage-femme gère sa pratique dans une équipe multidisciplinaire. Il sait, quand on est ensemble avec les autres, que fait le médecin, que fait l'infirmier, moi je fais quoi devant la même femme? Et pour la sage-femme, elle réagit et gère sa pratique selon ses compétences et capacités comme professionnelle. Donc, elle les gère dans son champ de pratique et les gère comme professionnelle. Comme nous l'avions dit, elle exerce alors une profession médicale à compétences définies, ce qui n'est pas le cas pour le médecin qui a des compétences élargies, mais elle, ses compétences sont définies. Donc, elle appartient à l'art de guérir. Elle est liée au serment d'Hippocrate. Elle est liée. Et si je voudrais apporter une dimension où nous avons entendu un peu dans d'autres provinces, la sage-femme prête le serment du médecin. Non, la sage-femme ne prêtera jamais le serment du médecin, mais son serment a pour sous-bassement le serment d'Hippocrate. C'est un serment à part entière. Là, on ne veut pas une confusion là-dessus. Parce que l'essence même de la profession sage-femme aborde une spécialité de la médecine.
Donc, il est dans l'obstétrique physiologique. Nous disons alors que parmi les trois filles d'Hippocrate, nous avions dit le médecin, la chirurgie-dentiste, la sage-femme était aux oubliettes dans ces pays. Et nous remercions aujourd'hui qu'il est reconnu et cherche sa réglementation. Alors, nous devons rappeler que toujours comme profession, quand nous nous référons à la Genèse, déjà au niveau du décret loi de 1952, toujours par la confusion d'être confondu à d'autres professions, déjà, ce décret loi traçait une nette différence entre la profession de l'infirmière et la profession de l'accoucheuse. La profession infirmière était traitée à l'article 3, tandis que la profession de l'accoucheuse était traitée au titre 5. Donc, c'était deux professions déjà distinctes au moment de l'article. Ici, nous voulons dire dans le sens que nous avons rencontré d'autres personnes qui se sont dit, mais en quoi la profession sage-femme était différente de la profession infirmière. Et c'est en 2013, par cet arrêté ministériel de l'ESU, l'arrêté numéro 100, que successivement, l'arrêté a changé l'orientation accoucheuse, qui l'a rendue autonome par rapport à la section infirmière, et a transformé l'orientation accoucheuse en option sage-femme autonome, en adoptant alors la dénomination sage-femme en lieu et place de la dénomination accoucheuse. Et nous rappelons que même la classification internationale des types de professions par l'Organisation internationale de travail, l'OIT, classe la profession sage-femme comme une profession à part entière, et le code de la profession sage-femme au niveau de l'OIT, c'est le code 22-22. Qui est alors la sage-femme? Elle est au centre d'une profession qui met au centre la femme. Elle exerce une profession dans un environnement clair et défini avec une cible déterminée. Elle est la rose, la sage-femme. Quand nous disons la rose, ce n'est pas par le choix d'une couleur, mais une signification profonde dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que la rose, comme vous le savez, c'est un mélange de la couleur blanche et la couleur rouge. Dans le domaine de la santé, la couleur rouge symbolisant le danger, les risques, le besoin, et la couleur blanche symbolisant l'appui, l'accompagnement, l'espoir, l'intervention. Alors, le besoin de la femme sont des besoins permanents. La grossesse pour la femme, c'est un risque permanent. Il fallait qu'il y ait, les risques permanents, c'est le rouge. Il fallait qu'il y ait un apport permanent, une intervention permanente. Donc, il fallait que le blanc soit permanent. Dès lors qu'il y a les dangers permanents, il faudrait alors l'espoir ou bien une intervention permanente. Voilà pourquoi la permanence du rouge et du blanc font que la sage-femme aujourd'hui est en rose par rapport de sa tenue professionnelle. Elle est championne de la SRMNEA, comme venait de le dire le directeur de la direction de la famille groupe spécifique. Elle est championne pourquoi? Parce qu'elle donne la réponse. Quand nous regardons les interventions proposées par la D10 pour lutter contre cette mortalité dont nous avons les SONU, nous avons les soins obstétricaux et néonatales d'urgence, les soins essentiels, nous avons l'assistance qualifiée à l'accouchement, la planification familiale, ainsi que la surveillance des décès maternels, la sage-femme est transversale. Donc la sage-femme, voilà sur quoi la sage-femme est formée. C'est dans ces stratégies interventionnelles pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la sage-femme, c'est déjà la championne de la SRMNEA. Quand nous regardons cette problématique, comme venait de le dire le directeur, nous ne voulons pas revenir là-dessus. Monsieur, la SRMNEA, si vous pouvez nous le dire déjà là. Ah, ok. C'est la santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Donc, nous disons qu'elle est la championne de cette intervention. Donc, comme venait de le dire le directeur, nous avons un problème terrible de la mortalité maternelle et néonatale. Et ce problème a ciblé un peu les quatre stratégies principales. Il y en a beaucoup, mais le principal. Mais pourquoi nous insistons qu'elle est championne de la SRMNEA? C'est parce qu'elle intervient dans le... Comme nous avons parlé des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, qui est une stratégie. Nous avons parlé de l'assistance qualifiée à l'accouchement, une stratégie portée aussi.
Nous avons la planification familiale, une stratégie porteuse. Nous avons la surveillance des décès maternels périnatales et riposte, qui est une stratégie porteuse. Mais nous trouvons que la sage-femme est au milieu, donc elle est basée, sa formation initiale continue est basée sur ces stratégies. Voilà pourquoi nous confirmons davantage qu'elle est championne de la SRMNEA. Sans vouloir, nous avons essayé encore de montrer pourquoi il est championne et pourquoi elle doit vraiment intervenir. C'est parce que les chiffres parlent un peu d'exercice ce matin pour soutenir encore ce que le directeur a dit. Un peu d'exercice ce matin, j'ai pris un peu deux situations de la santé publique en faisant un peu des jeux avec des chiffres. Les données de ce 23 septembre 2020, selon l'alerte COVID RDC, nous montrent que la RDC a compté environ 10 935 cas de COVID et le nombre de décès sont là, 281. En faisant les calculs par mois, si nous prenons les 8 mois, en faisant les calculs, c'est au moins 35 cas de décès par mois. On a fait encore déjà avec des chiffres, avec l'épidémie de la maladie hémorragique d'Ebola, les données du 25 juin 2020, il y a eu au total 2287 décès. En prenant presque les 2 ans de cette 11e épidémie, je pense, 11e épidémie, alors par mois, au moins 95 cas de décès. Ce sont les données de l'OMS vérifiables, ce sont les données relevées ce matin. Mais nous avons la situation de la mortalité maternelle et infantile. Nous trouvons que les données ont montré des 846 décès pour 100 000 naissances vivantes. Quand nous prenons cette source, les bulletins numéro 1 de la surveillance des décès maternels et ripostes, est-ce des mères que par le PNCR, le ministère de la Santé, avec l'appui de UNFPA, de 2015 à 2017, alors 26 DPS ont notifié 10 665 cas de décès maternels. Et quand nous calculons en termes de mois, alors il y a eu au moins 444 femmes qui sont décédées par mois. Le COVID tue 35 par mois, Ebola tue 95 par mois, mais les décès maternels, c'est 444. Je pense que les chiffres parlent. Ça devrait alarmer tel que nous étions été alarmés par le COVID ainsi que la maladie hémorragique Ebola. La sage-femme préside à la naissance et l'accueille à chaque fois les premiers cris de l'humanité. Cher honorable député, je pense que quand vous êtes venu dans ce monde, la personne qui a accueilli votre premier cri, c'était la sage-femme. Donc, la sage-femme produit les soins qui donnent la solution et réponse appropriée au problème de la SRMNEA. Elle est l'arme principale et en première ligne pour cette lutte, donc elle est incontournable. Nous disons que la SRMNEA est quand même spécifique. Cette santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, elle est spécifique. Ça demande des interventions spécifiques, alors un personnel aussi spécifique. Et la sage-femme se dresse en cet personnel spécifique. Dans une équipe multidisciplinaire, la sage-femme travaille dans toute autonomie et elle est là comme personne qui ne doit pas être additionnelle à l'écart de la santé maternelle et infantile, mais on doit les prendre comme des premières lignes. Pourquoi ? Nous disons qu'une illusion ne serait autre qu'envisager améliorer la santé de la mère du nouveau-né sans une sage-femme. C'est elle qui a essayé de définir un peu l'accouchement en ces termes. Pour la sage-femme, l'accouchement, c'est une descente lente, une bataille de taille, tunnel cruel, terreur d'une heure, rage sans partage, puissance impuissante, mort sans accord, souffrance d'espérance, effort en accord, ouverture sans mesure, nuit qui finit, victoire sur le noir, orbe de l'autre, cri de la vie, regard sans égard, continuer. Ce sont les définitions de 7 accouchements et de naissances en rapport avec la sage-femme. Elle est regroupée aujourd'hui au sein d'une association appelée la Société congolaise de la pratique sage-femme. Alors, en RDC, voilà ce que le monde, ce que la Confédération internationale veut que soit une sage-femme. Elle veut qu'elle arrive à une pratique compétente, comme le directeur l'a montré ici,
qu'on a besoin de cette femme compétente. Pour qu'elle soit compétente, il faudra que ces trois piliers puissent soutenir sa compétence. Les piliers de la formation, les piliers de la réglementation qui est vraiment au milieu, et les piliers de l'association. Mais le problème de la RDC est que sur les trois piliers, nous n'avons que deux piliers. Et plus grave, les piliers du milieu, c'est celui qui manque. Regardez sur les trois piliers, on peut manquer ces piliers, on peut manquer l'autre, mais comme ces piliers central, ces piliers peuvent encore soutenir cette toiture. Mais curieusement, c'est les piliers qui manquent. Regardez alors la conséquence de la toiture, qui est la seule forme compétente, la toiture va s'écrouler. Parce que comme il n'y a pas la réglementation, même la formation boitille, voilà que c'est un pilier qui n'est pas tout droit. Parce que quand il y a la réglementation, il y aura même impact sur la formation et d'autres piliers. Donc, la SCOSAF réunit toutes les sages-femmes de la RDC et compte aujourd'hui environ 3200 membres, dont 3200 membres inscrits à l'association, sur au moins 6840 sages-femmes qui composent toute la RDC. La SCOSAF a un siège social au pavillon 26 de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa. La SCOSAF est créée depuis l'an 2000. Il a obtenu sa personnalité juridique en 2001 avec comme premier président fondateur M. Patrice Emery Samukung. La SCOSAF a une vision qui est là, c'est avoir cette république dont chaque femme, chaque nouveau-né, chaque adolescent a droit aux soins d'une sage-femme compétente. La SCOSAF a une mission que vous voyez là, c'est faire de tout ce que les femmes, les nouveau-nés, aient leur bien-être total durant la grossesse. Et il a son visage que vous voyez, dont nous n'avons pas vraiment le temps d'entrer en profondeur pour montrer ce que ça veut dire. Mais c'est une lourde signification. Nous insistons sur les mains ici qui portent. Ce sont les mains professionnelles qui portent ce poids. Mais vous voyez que les mains là ne sont pas libres, ils sont dans un encadrement. Donc ce sont des compétences bien définies et spécifiques. En conclusion, nous disons que avec toute assurance, c'est la sage-femme qui vous parle, avec toute assurance et aucun doute d'être contredit, j'incarne le secret de rendre effectif et réel les trois résultats transformateurs que le pays espère et que prône l'UNFPA, à savoir zéro décès maternel pour des causes évitables, zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro violence basée sur le genre. Nous répondons aussi au directeur. La sage-femme vous dit que je suis prêt à redonner, effectivement, comme vous l'avez demandé, la sage-femme vous dit, je suis prêt à redonner sourire à la femme congolaise. J'ai juste besoin d'être formé dans une école ou dans des écoles accréditées, être réglementé afin d'être utilisé à ma juste valeur. Je dis et je vous remercie. Donc, je dois féliciter d'abord l'honorable Eliezer pour cette proposition de loi pour réglementer la profession de sage-femme, qui est une profession très importante. Moi, je ferai des observations parce que cette loi ou l'idée de réglementer les professions médicales, je pense qu'il y avait trois professions pour lesquelles, depuis 2013-2012, on avait commencé. C'était les infirmiers, c'était les chirurgiens dentistes et c'était les sages-femmes. Les deux premières lois ont abouti, c'est donc avec joie que moi je salue le fait qu'aujourd'hui on nous présente la loi sur la réglementation de la profession de sage-femme. Avant de faire quelques observations sur les interrogations qui ont été soulevées, je voudrais juste demander à notre collègue de pouvoir ajouter la motivation juridique de la loi, parce que ce débat aura lieu. Il a eu lieu sérieusement quand j'ai présenté la loi sur l'ordre des infirmiers et l'ordre des chirurgiens dentistes. Je pense que nous devons aller dans la Constitution, l'article 123, où nous parlons des matières qui peuvent être réglementées. Je pense au point 5, on parle de l'enseignement et la santé. À l'article 202, où on parle des compétences exclusives du niveau central, au point 16, je crois, ou au point 36, on parle de législation, notamment. Et le point H, c'est là qu'il y a tout ce qui concerne la médecine. On commence par la pratique médicale, l'art de guérir, et vous allez voir qu'on écrit la protection maternelle et infantile. Donc, sur base de ça,
nous pouvons légiférer et nous pouvons créer l'ordre des arrivants. Ça, c'est la première motivation, parce que sans cela, on va faire tous les débats, on vous dira, rentrer, ça peut être une association. Ou c'est une matière réglementaire. Deuxièmement, c'est sur les questions qui ont été soulevées. Pourquoi un ordre? Pourquoi un ordre? Tout simplement, comme on le dit, c'est pour réglementer la profession. C'est pour réglementer la profession et pouvoir protéger la protection des nombreux charlatans que nous avons dans notre société. Quelqu'un peut s'improviser aujourd'hui, il commence, il fait un petit ligablo, il appelle sa maternité et il commence à faire accoucher les femmes. L'association n'a aucun droit sur, malheureusement, ce charlatan. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes plus une association, vous êtes une SPL, je peux adhérer tout comme je ne peux pas adhérer. Si je ne suis pas membre, je ne suis pas contraint de suivre ce que vous dites. Et vous n'avez pas de droit sur moi. Alors que dans les lois de création des ordres, on dit clairement, nul ne peut exercer. Là, nous sommes devant les sages-femmes, la profession de sage-femme, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, si vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre, vous ne pouvez pas exercer. Nous avons eu ça avec les chirurgiens dentistes. On a eu des Grecs, d'autres, des Libanais qui sont arrivés ici à Kinshasa, qui n'avaient pas de diplôme, mais qui étaient en train d'arracher des dents aux gens à travers la ville de Kinshasa, parce que dans son pays, il est resté à côté d'un chirurgien dentiste, et il est arrivé ici, il le faisait. Et il le faisait très cher. Dès qu'on a créé l'ordre, l'ordre a donné justement l'ordre à ces gens d'arrêter. Ça, c'est une chose très importante. Par rapport à la formation, en fait, pour la formation, il faut qu'on se dise des choses. Les sciences de la santé sont aussi régies. Mais il faut faire attention parce que tout ce qui concerne le secondaire, nous pouvons le faire au niveau de la santé. Tout ce qui est supérieur ne relève pas malheureusement du ministère de la Santé, ça relève du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et ça, c'est le grand combat. Et c'est dans l'interministérialité qu'on peut résoudre ces questions. Mais ce sont des questions de fond. Il ne suffit pas d'avoir un programme, mais il faut suivre ce programme et mettre de la rigueur. Pour que je n'oublie pas, j'ai oublié, dans le titre honorable Eliezer, je pense qu'il faut enrichir le titre, c'est la loi portant création, organisation et fonctionnement de la profession de sage-femme. Parce que cette loi ne règle pas seulement la création. On parle des organes de cette corporation et on donne les principes fondamentaux de fonctionnement de l'homme. Depuis que nous sommes ici, on avait prévu de commencer à 10h30. On a dépassé légèrement 13h30. Je ne sais pas si nous nous sommes rendus compte qu'il y a 9 femmes qui viennent de mourir en donnant la vie. Donc ça veut dire, plus que toute autre chose, il est anormal qu'une femme... La naissance, c'est un événement heureux. Mais pendant que nous sommes en réunion, 9 femmes viennent de mourir en voulant donner naissance à un enfant. Donc nous avons l'obligation de pouvoir accompagner cette loi. L'honorable député qui a parlé ici de l'EDS et des statistiques, je vais peut-être terminer par là. L'EDS est l'enquête démographique de santé. Ce sont des statistiques, ce sont des études qui coûtent excessivement cher. Parce que je pense que la précédente EDS, c'était en 2007. Et avant cela, on avait l'enquête mixte. Donc, étant donné qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on les fait de manière périodique. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une étude qui a été faite en 2016 qui nous donne un taux de mortalité maternelle de 633, si j'ai bonne mémoire de ce que j'ai vu. Donc, c'est la plus récente des études. Alors, nous restons sur les données de l'EDS parce que quand on veut faire la politique du pays, il faut des données qui soient comparables. Imaginez que quand on était en train de faire l'EDS de 2013, nous avions eu des publications du Lancet. The Lancet, c'est un journal qu'on avait prouvé, où on avait des études et on montrait l'évolution de la RDC par rapport à l'enquête mixte où nous étions à 1180 décès pour 100 000 naissances vivantes. On montrait qu'on était déjà à 480.
Et effectivement, il y a eu plusieurs mesures, et même les 633, nous nous posons des questions de savoir est-ce que c'est ça réellement le taux de mortalité. Parce que la RDC a fait beaucoup d'efforts en matière de la protection de la mère et de l'enfant. En 2013, j'ai failli, je le dis encore, je pense que Youm a été là, nous avions travaillé, nous avons failli refuser ces résultats. Parce qu'il était impensable, avec tout ce qu'on avait fait, d'avoir des résultats de 846. Mais nous les avions acceptés, pourquoi? Parce que nous nous étions dit ceci. Il était important d'avoir des repères. Même si nous pensons que le taux de mortalité est moins, mais tant que nous avons des taux de mortalité plus élevés, ça nous donnerait le courage de pouvoir chercher à améliorer encore davantage la santé de la mère. Et contredire ces résultats, nous allions rester sans statistiques sur ce volet-là. Même le financement de l'UNFP qui est là, on ne pouvait pas nous aider parce que nous n'avons pas de référence. Il faut avoir des références. C'est comme ça qu'on avait accepté. Quand vous entrez dans les résultats de l'ENS, ce que l'honorable C a posé tout à l'heure, vous avez tous les détails. On vous donne les résultats selon les milieux urbains et les milieux ruraux, et vous allez comprendre automatiquement que dans les milieux urbains, le taux de mortalité est plus faible par rapport aux milieux ruraux. Là, c'est plus élevé. Mais là où ça va encore plus loin, c'est sur le niveau intellectuel de la femme. Vous allez voir que la femme instruite, chez la catégorie des femmes instruites, le taux de mortalité est plus bas que le taux de mortalité chez la femme non instruite. Donc tous ces éléments, nous les avons dans l'EDS et ça peut être exploité. Voilà pourquoi je termine tout simplement en invitant les collègues, et je suis heureux de constater que presque tous les collègues ont vu l'importance de cette loi. Nous ne pouvons que la soutenir. Elle peut sauver des vies et elle sauvera des vies. Et je termine en rappelant que parmi les raisons, honorable Eliezer, parce qu'il y aura beaucoup de questions sur l'ordre, pourquoi un ordre, au-delà de tout ce que j'ai donné, nous avons également des relations, nous appartenons à des organisations internationales, et principalement la SADC. Lorsque vous prenez les pays de la SADC, je n'ai pas les statistiques récentes, mais je sais déjà que la plupart des pays de la SADC avaient déjà les ordres des sages-femmes. Alors, quand il y a une réunion internationale, on vous écrit, en tant que ministre de la Santé, d'envoyer le responsable de l'ordre de la sage-femme. Si vous envoyez le responsable de l'association, il n'a pas le même rang que les autres présidents des ordres qui viennent participer aux réunions, et ça nous tire toujours vers le bas. Merci. Je tiens à saluer cette organisation. Je pense que les tels échanges devraient être multipliés. Parce que, contrairement à ce que plusieurs pensent, le député national n'est pas un omniscient. Il y a plusieurs domaines de savoir. Moi, je suis avocat. Donc, ce qui concerne la santé ne peut relever que de ma petite culture générale. Alors, là, par rapport aux inquiétudes de certains collègues, je soutiens que parmi les critères qui accompagnent la création d'un ordre, il y a notamment un groupe d'individus ayant reçu une même formation. Ça peut être cursus scolaire ou formation. Et donc, j'estime que les sages-femmes qui ont tous reçu une même formation ont la capacité ou bien ils ont le droit de demander la création d'un ordre propre à eux. Il y a aussi la question par rapport à la formation des sages-femmes. Excusez-moi, peut-être vous êtes là. À ce que je sache, l'option accoucheuse dans les systèmes est l'option qui a plus de cours, si je me trompe, parmi, qui a plus de cours accoucheuse. Donc, dès là déjà à l'ISTEM, parce que moi aussi je me posais la question, je pensais que c'était un métier facile. C'est alors que ma petite sœur qui est infirmière qui me dit, non, l'option accoucheuse a d'ailleurs plus de cours que nous. Donc, côté formation, il y a bel et bien du sérieux. Alors, voilà, donc je soutiens la création de cet ordre et on va tous se mettre ensemble.
Et aussi, il y a une question qui est passée par là. Est-ce que c'est la solution, si nous créons un ordre, est-ce que ce sera la solution, il n'y aura plus de décès? Je dirais non. Certes, ce n'est pas la solution, mais c'est un début de solution. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis tous ici. Si l'association des sages-femmes pense que eux, de leur côté, ils proposent la création de l'ordre, alors nous, parlementaires qui sommes ici, nous battons, nous pour augmenter le budget alloué à la santé, budget qui permettrait notamment de former convenablement les sages-femmes. Le secrétaire général de la santé qui est là aussi, lui aussi fera sa part. Et c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de tout ce que nous allons faire qui va donner un résultat meilleur. Alors j'invite les collègues à accompagner le Rappel des airs à la création de cet ordre des sages-femmes. Je suis très content d'assister à cette manifestation. Merci pour les organisateurs. J'aborderai dans le même sens. Moi, je suis surpris aujourd'hui de comprendre qu'il y a un cursus pour devenir sage-femme. Moi, j'avais toujours l'idée que ce sont des vieilles mamans qui faisaient cette profession. Donc, non, excusez-moi, j'avais toujours l'idée de voir des vieilles mamans sans formation. Et puis, ça m'a étonné aussi de voir un homme se dire sage-femme. Je me disais, c'était une profession réservée aux dames, aux femmes. Mais pourquoi il n'y a pas une vulgarisation spécifique pour cette profession? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas que pour être sage-femme, je dois suivre ça, à la vitesse. Et puis, ils ne sont pas intéressés à ça. C'est pratiquement un domaine réservé à un petit nombre de gens qui connaissent cette profession-là. Pourquoi il n'y a pas une vulgarisation au niveau de la population? Merci. L'opportunité, comme vous le savez, elle est là. Elle est très claire, étant donné, si on regarde bien sûr les statistiques par rapport à la mortalité maternelle et néonatale, on comprend tout de suite qu'il y a une profession qui doit être là, opérationnalisée. C'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé l'opportunité, bien sûr, d'avoir cette loi qui va réglementer la profession sage-femme, qui est en fait une profession très importante pour aider à contribuer en fait à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. D'ailleurs, les études menées montrent que cette réduction peut aller jusqu'à 75%, donc 2/3. Voilà. Au-delà de la réglementation, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui par rapport à la compétence de ceux qui exercent cette profession? Bon, il faut dire qu'on a un sérieux problème aujourd'hui, parce que non seulement les quelques rares sages-femmes qu'on a formées ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins du pays, mais aussi, c'est tout le monde qui s'improvise, sage-femme, qui est la maternité, et qui pose des gestes inappropriés et qui conduisent à ce qu'on déplore ici comme décès. Voilà. Nos invités à cette matinée ont très bien compris la nécessité d'accompagner le ministère de la Santé pour l'obtention de cette loi. Et là, vraiment, nous sommes très ravis de les avoir associés. Et je crois que désormais, on va essayer dans la mesure du possible, s'il y a quelque chose dans ce sens, nous avons des points focaux, des gens bien identifiés dans ce Parlement, c'est ça l'avantage. Vous voyez, des personnes qui ont travaillé dans le secteur de la santé, qui comprennent bien nos défis, et on va chaque fois profiter de ces personnes-là pour inviter un bon nombre de députés, déjà les préparer, les sensibiliser, et je crois qu'on n'aura plus de difficultés de faire passer certaines lois au niveau du Parlement. Merci.